pour nous souvenir de lui et surtout ensemble, demander au Seigneur de l'accueillir pour que du haut du ciel, il puisse intercéder pour chacun de nous. C'est donc un jour où nous voulons dire merci au Seigneur, tu nous l'as donné. Et pour nous ressouvenir de tout ce que nous avons vécu avec lui, nous allons nous asseoir et écouter un témoignage. Je voudrais tout d'abord vous remercier, vous tous, d'avoir fait ce déplacement, d'avoir bradé ces grèves pour certaines qui viennent de loin, pour ce moment de souvenir à mon neveu, Moïse Ngolo, que nous appelions affectueusement Ferral. Ce souvenir de Moïse, c'est ce souvenir que donc... il était né le 1er avril 1971 à Brazzaville et qui nous a quittés un 15 décembre comme aujourd'hui au cours d'un accident de la circulation. Il avait 33 ans. Ce souvenir de Moïse pour moi, c'est aussi se rappeler de cette enfance de sa mère, donc qui est ma grande sœur Denise, qui lui aussi n'est plus là, de son père. Ngolo Nkrika, que beaucoup connaissaient puisqu'il avait un restaurant à Mongani. Donc c'est ce souvenir de cet enfant qui a grandi à Mongali et à Mfilou et qui, dans les années 90, est venu en France. Ce souvenir de Moïse, donc, c'est se rappeler des années de galère. Il a quand même galéré, c'est pas facile. D'arriver en France comme aventurier, sans papier, c'était pas toujours évident. Mais il s'est battu. Moïse a eu des enfants, Eureka qui est là, qui était née à Brazzaville, qui les a rejoints, puisqu'entre temps il avait fait venir sa femme Irène. Et Cheville, l'autre fille aussi, qui était née aussi au Congo. Et. Il y a eu le mariage. Entre-temps, il y a un autre enfant qui était né, Cornelia, qui n'est pas avec nous aujourd'hui, parce qu'elle est un peu souffrante. Il y a eu le mariage, et après ce mariage, petit à petit, sa situation s'est régularisée. Moïse, qui vivait de pas mal de débrouillardises, comme beaucoup de jeunes lorsqu'ils arrivent en aventure, petit à petit, il s'organisait, sa situation administrative s'était régularisée. Et le témoignage le plus important que je peux dire, c'est qu'à un moment donné, autour de ses 30 ans, 31 ans, ça n'a pas duré longtemps, il avait trouvé sa voie. Et sa voie, c'était se lancer dans le commerce de l'habillement. Donc là, il était bien parti, il avait des partenaires en Italie qui lui faisaient confiance. Et d'ailleurs, il est mort pendant qu'il venait du marché de Cergy-Pontoise, sur l'autoroute. Et il avait un gros projet, c'était d'ouvrir sa boutique. Et malheureusement, dans cette phase vraiment ascendante de sa vie, je disais qu'il m'avait témoigné, il m'avait toujours dit « Tonton, j'ai fait beaucoup de choses, certaines qui n'étaient pas très bonnes. Je voulais gagner peut-être l'argent plus vite, mais j'ai compris que l'argent se gagne à la sueur de son front. Tout cet argent que j'ai eu, je n'ai pas fait grand-chose avec. Et là maintenant, j'ai trouvé ma voie, j'ai des partenaires qui m'ont fait confiance et... Croyez-moi que lorsqu'il a disparu, il avait au moins dans sa réserve près de 1000 costumes que ses partenaires, en tout cas, lui faisaient confiance, puisque le projet, c'était d'ouvrir une boutique à Paris. Malheureusement, ce projet ne verra pas le jour.
si je garde toujours le souvenir de ce neveu, c'est qu'il m'a jamais. On a toujours été très proches, puisqu'il a vécu avec moi. Et même pendant que j'étais en Suisse, il est toujours venu, aussi bien pour notre mariage. Et le dernier voyage, c'était lorsque j'avais eu 40 ans. Il a fait le voyage pour venir me voir. Et puis voilà, la vie, elle est ce qu'elle est. Ce souvenir de lui, c'est aussi remercier le Seigneur, parce que c'est aussi lui qui a permis de protéger la veuve, parce que Irène est restée veuve très très jeune aussi, ils avaient le même âge, il avait aussi 33 ans, avec trois enfants qui étaient très petits, et donc il a fallu se battre et soutenir jusqu'à cet âge-ci, et Dieu merci, Dieu continue à venir à l'égard. Voilà, c'est pour cela que nous... J'avais souhaité, j'ai voulu que nous passions ce moment, de souvenir que ça tombait le 15 décembre et que nous sommes le 15 décembre aussi jour pour jour. Voilà, et donc encore une fois merci. Merci d'être là présent, de prier en mémoire de Moïse, qui de là-haut sait que ben, sa présence est toujours parmi nous. Merci beaucoup. Et maintenant, nous levons avec le souvenir que nous venons d'entendre, avec l'amitié que nous avons vécue ensemble, la fraternité que nous avons vécue ensemble, pour nous-mêmes, pour Moïse, pour ses enfants, pour tous ceux qui lui étaient chers, confions tout cela au Seigneur. Mais avant tout, reconnaissons que nous sommes pécheurs et dépendons pas. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mon frère que j'ai péché. En pensée, en parole, par action et par commission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur, notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne tous nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions. Tu le vois, Seigneur, ton peuple se prépare à célébrer la naissance de ton Fils. Dirige notre joie vers la joie d'un si grand mystère, pour que nous fêtions notre salut avec un cœur vraiment nouveau. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Veuillez vous asseoir pour écouter la parole de Dieu. Lecture du livre du prophète Isaïe. Le désert et la terre de la soif, qu'ils se réjouissent. Le pays aride, qu'il exulte et fleurisse comme la rose, qu'il se couvre de fleurs des champs, qu'il exulte et qu'il crie de joie. La gloire du Liban lui a été donnée, la splendeur du Carmel et du Saron. On verra la gloire du Seigneur. La splendeur du Seigneur, notre Dieu. Fortifiez les miens défaillants, affermissez les genoux qui fléchissent. Dites aux gens qui s'affolent, soyez forts, ne craignez pas. Voici votre Dieu. C'est la vengeance qui vient, la revanche de Dieu. Il vient de lui-même et va vous sauver. Alors, se dessineront les yeux des aveugles et s'ouvriront les oreilles des sourds. Alors, le boiteux bondira comme un cerf et la bouche du muet
criera de joie. Ceux qu'il a libérés, le Seigneur, qu'ils reviennent. Ils rentrent dans Sion et dans le cri de fête, couronnés de l'éternelle joie. Allégresse et joie les rejoignent. Douleur et plainte s'enfuient. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Saint Jacques, chapitre 5, le verset 7 à 10. Tenez ferme nos cœurs, car la venue du Seigneur est proche. Frères, en attendant la venue du Seigneur, prenez patience. Voyez le cultivateur, il attend les fruits précieux de la terre avec patience, jusqu'à ce qu'il ait fait la récolte précoce de la récolte tardive. Prenez patience, vous aussi, et tenez ferme, car la venue du Seigneur est proche. Frères, ne gémissez pas les uns contre les autres, ainsi vous ne serez pas jugés. Voyez le juste et notre porte. Frères, prenez pour modèle l'endurance et la patience des prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Alléluia, 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 alléluia. L'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres.
Ce temps-là, Jean le Baptiste entendit parler dans sa prison des œuvres réalisées par le Christ. Il lui envoya ses disciples et par eux lui demanda : Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre ? Jésus leur répondit : Allez annoncer à Jean ce que vous entendez et voyez. Les aveugles retrouvent la vue. Et les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés et les sourds entendent. Les morts ressuscitent et les pauvres reçoivent la bonne nouvelle. Heureux celui pour qui je ne suis pas une occasion de chute. Tandis que les envoyés de Jean s'en allaient, Jésus se mit à dire aux foules à propos de Jean : Qu'êtes-vous allé regarder au désert ? Un roseau agité par le vent. Alors, qu'êtes-vous donc allé voir? Un homme habillé de façon raffinée. Mais ceux qui portent de tels vêtements vivent dans les palais des rois. Alors, qu'êtes-vous allé voir? Un prophète? Oui, je vous le dis, et bien plus qu'un prophète. C'est de lui qu'il est écrit. Voici que j'envoie mon messager en avant de toi pour préparer le chemin devant toi. Amen, je vous le dis, parmi ceux qui sont nés d'une femme, personne ne s'est levé de plus grand que Jean le Baptiste. Et cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Acclamons la parole de Dieu. Louons à toi, Seigneur Jésus. Veuillez vous asseoir. Pour ce qu'il nous a fait en nous donnant Moïse. Pour ce qu'il nous a fait en nous donnant de pouvoir côtoyer, de partager notre vie, nos expériences avec Moïse. C'est aussi, comme je vous le disais à l'entame de cette messe, qu'aujourd'hui, troisième dimanche du temps de l'Avent, c'est le dimanche de la joie, le dimanche du Gaudate. Et cela veut dire aussi que nous sommes là pour célébrer l'espérance. Nous sommes là pour célébrer l'amour. Mais célébrer un dimanche de la joie dans une situation sociale tendue, où même pour aller au travail, nous avons des difficultés, où tout commence à nous mettre dans l'incertitude. Comment nous pouvons célébrer ce dimanche de la joie? Célébrer le dimanche de la joie avec la maladie qui nous ronge, avec la maladie qui ronge autour de nous. Comment célébrer ce dimanche-là? Célébrer le dimanche de la joie quand on sait que dans notre foyer, tout n'est pas rose. Quand on sait qu'en famille, tout ne va pas bien. Quand on sait qu'au travail, ce n'est pas comme ce que nous souhaitons. Quand on sait qu'à l'école, le résultat, le succès ne rythme pas avec les efforts que nous faisons. Et pourtant, nous sommes là pour célébrer le dimanche de la joie. Et d'ailleurs, pour comprendre ce phénomène qui est inexplicable peut-être humainement, c'est de voir déjà dans l'Évangile. Celui qui annonçait la bonne nouvelle, Jean-Baptiste, qui se trouve en prison. Et il a commencé à douter lui-même. Et il envoie ses disciples demander à Jésus,
est-ce que c'est lui qui doit venir ou bien devons-nous en attendre un autre? Comme pour dire que cette expérience a été déjà vécue, même avec des hommes de Dieu, des envoyés de Dieu. Donc, ce que nous vivons aujourd'hui n'est pas étrange. La maladie, l'incompréhension, toutes les difficultés que nous pouvons vivre, cela était déjà inscrit dans l'histoire des hommes. Mais si nous célébrons le dimanche de la joie, cela veut dire qu'il y a de l'espoir. Cela veut dire que le Christ, notre Seigneur, nous donne de vivre désormais en comptant sur lui. Parce qu'en comptant sur lui, nous pouvons surmonter non seulement ces difficultés, mais il nous donne la force d'aller de l'avant. C'est d'ailleurs pour cela que, pour répondre à cette question, il envoie ce que Jean-Baptiste a envoyé de dire à Jean-Baptiste, que vous n'avez pas à dire grand-chose, mais allez seulement témoigner. Il dit, allez annoncer à Jean ce que vous entendez et voyez. Les aveugles retrouvent la vue, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés et les sourds entendent. Les morts ressuscitent et les pauvres reçoivent la bonne nouvelle. Voilà ce que Jésus est venu nous annoncer. Et cette annonce, si nous ouvrons notre cœur, si nous nous disposons à l'appel de Dieu, nous pourrons comprendre et nous pourrons être dans la joie. Et cela peut nous aider à vivre dans la quiétude. Cela peut nous aider à vivre vraiment comme des enfants de Dieu, des bénis de Dieu. C'est dans cette même veine que nous sommes là ce matin pour célébrer le souvenir que nous avons vécu avec Moïse. Nous ne sommes pas là ce matin pour célébrer la mort. Nous sommes là pour célébrer la vie. Parce que c'est ce que Moïse a vécu avec nous, c'est ce souvenir-là que nous célébrons. C'est aussi dans notre expérience, dans notre vie de chrétien, sachant que Moïse, qui nous a précédés dans la maison du Père, il célèbre cette messe avec nous, avec le Seigneur. Et que Moïse est en train de prier avec nous en ce moment précis. Donc nous ne sommes pas là pour célébrer la mort. Ce n'est pas pour nous redire tout ce que nous avons pu avoir comme lamentation. Non, c'est pour dire, Moïse, nous nous souvenons de toi, parce que tu es enfant de Dieu. Et nous savons que nous sommes avec toi encore aujourd'hui. Tu es auprès du Père, tu pries pour nous, nous prions pour toi. Moïse, ne nous oublie pas, toi qui nous as précédés. Intercède auprès de Dieu pour tes enfants, pour tes amis, pour tout ce que tu as connu, pour tous ceux qui te sont chers sur la terre des hommes. Voilà le sens de cette célébration. Demandons donc au Seigneur qui nous a donné Moïse de l'accueillir dans son royaume. Pour que du haut du ciel, Moïse soit déjà notre défenseur, notre interprète, pour dire, je connaissais Michel, je connaissais mes enfants, je connaissais chacun de nous, Seigneur. Moi aussi, quand j'étais sur la terre des hommes, j'avais mes faiblesses, j'avais mes limites. Maintenant que je suis auprès de toi, donne-leur la grâce pour qu'ils vivent sur ton chemin. Voilà. Et c'est pour cela que cette Eucharistie va être une action de grâce pour dire au Seigneur, ne tiens pas compte de nos fautes, ne tiens pas compte de ce que nous sommes, mais toi, tu es la vie. Toi, tu es celui-là qui nous donne d'être heureux. Celui-là qui nous donne d'être des enfants qui, malgré leurs limites et leurs faiblesses, sont comptés à tes yeux. Demandons donc au Seigneur, au cours de cette Eucharistie, que lui-même nous accorde sa grâce pour chacun de nous. Parce que le pas que nous avons fait en quittant nos maisons, en quittant partout où nous étions pour venir ici, pour nous souvenir de Moïse, sachons que le Seigneur
nous le reviendra. Le Seigneur nous le rendra au sanctuaire. Et Moïse, qui est auprès du Père, priera pour chacun de nous, pour que nous ayons la grâce. C'est vrai, il y en a qui, en venant, ne se sentaient pas bien, étaient malades, mais aujourd'hui, avec cette Eucharistie, ils repartiront guéris. Il y en a qui, en venant ici, se disaient, j'ai des problèmes, mais comment les résoudre? Et il y a des nuits, nous sommes restés sans dormir. Mais en venant ici ce matin, vous repartirez déchargé. Que le Seigneur qui connaît chacun de vous, ne vous laisse pas repartir chargé, mais vous décharge pour que vous soyez vous aussi des enfants de Dieu qui vivent dans cette joie-là. Que l'Eucharistie, qui est la source et sommet de toute vie chrétienne, soit source de grâce pour vous, pour vos familles, pour vos projets, et que le Seigneur continue de vous accompagner dans tout ce que vous faites. Que la Vierge Marie, notre Mère, intercède pour vous, au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Aînée de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce-Pilate, a été crucifiée, est mort et a été ensevelie, est descendue aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Et maintenant, frères et sœurs, rassemblés aujourd'hui pour célébrer ce troisième dimanche, dimanche de la joie, pour célébrer le souvenir avec Moïse. Présentons nos personnes au Seigneur. Présentons nos projets au Seigneur. Présentons également notre monde au Seigneur. Ensemble, prions. Seigneur, exauce-nous. Nous entendons parler autour de nous que de la grève, de la morosité, tout semble aller mal. Soyez forts, ne craignez pas, voici votre Dieu. Prions avec force. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. En ce troisième dimanche de l'Avent, le prophète Isaïe nous nourrit de son enthousiasme et de son espérance dans l'attente de la venue du Seigneur. Pour que nous, chrétiens, sachions transmettre ces valeurs de l'Église autour de nous. Prions avec force. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Certains d'entre nous sont seuls ou abattus par les difficultés de la vie et de la maladie. Souffrent plus particulièrement en cette période de préparatif de fête de Noël. Le Seigneur de justice aux opprimés, aux affamés, il donne le pain. Prions avec force. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour qu'on parle de la rue, j'ai pu trouver hier la chaleur accueillante de notre communauté, réunis autour d'un repas avec eux. Prions avec force. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Nous te le demandons, toi qui es vivant pour les siècles des siècles. Amen. Père Seigneur, que le sacrifice de nos Eucharisties
Que soit toujours offert dans ton Église pour accomplir le sacrement que tu nous as donné et pour réaliser la merveille de notre salut. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. À toi, Père, salut éternel et tout puissant, par le Christ notre Seigneur. Il est celui que les prophètes avaient chanté, celui que la Vierge attendait avec amour, celui dont Jean-Baptiste a proclamé la venue et révélé la présence au milieu des hommes. C'est lui qui nous donne la joie d'entrer déjà dans le mystère de Noël, pour qu'il nous trouve quand il viendra, vigilant dans la prière et rempli d'allégresse. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint, 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 Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui es mort. Gloire à toi qui es vivant. Notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus. En faisant mémoire de la mort de ton la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement,
nous te demandons qu'en n'ayant pas au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, l'évêque de ces lieux, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi en particulier aujourd'hui de Moïse. Et de tous les hommes qui ont quitté cette vie, reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nos enfants, sur la famille de Moïse, sur ses enfants, nous implorons ta bonté. Nous implorons ta bonté sur chacun de nous ici présents, venus pour célébrer cette Eucharistie et nous souvenir de Moïse. Nous implorons ta bonté, Seigneur, sur tout ce qui se recommande à nos prières, sur les malades, sur tout ce qui désespère, sur tout ce qui ne te connaissent pas, Seigneur. Nous implorons ta bonté, Seigneur, sur nos familles, nos foyers. Permets qu'avec la Vierge Marie, la Vénéreuse Mère de Dieu, Sainte de son Dieu, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit.
en ce jour où nous célébrons le souvenir de Moïse, ce jour où nous venons devant le Seigneur pour nous offrir aussi notre monde. C'est vrai que pour beaucoup, cette occasion nous a encore rapprochés parce qu'on était chacun dispersé pour notre travail, pour ceci ou pour cela. Mais en même temps, il y a eu des petits pincements de cœur. Peut-être en voyant le Père Pascal, j'ai commencé à trembler parce que je dis, tiens, lui encore aujourd'hui. Voilà, le Seigneur nous donne l'occasion pour que notre joie soit parfaite, que nous puissions nous pardonner les uns les autres. Amen. Vous savez, l'enfer c'est ça. Quand je vois Michel que je n'aime pas, je commence à trembler et toute ma journée est gâtée. Peut-être que je ne me dis même pas au courant qu'il m'a fait quelque chose. Mais le plus souvent c'est ça, c'est des petites choses, des petits détails. On se fait des choses, on ne dort pas la nuit. Ah oui, je l'ai vu encore aujourd'hui. Et d'ailleurs, quand il m'a regardé, j'ai senti qu'il a encore la colère, ou bien il est méchant encore vis-à-vis de moi. Et pourtant, comme il y a du monde, le fait de saluer Michel en même temps que quelqu'un me dit, ah oui, mais ça, quand il me serrait la main, il ne m'avait pas regardé. Simplement. Pour des choses inutiles. Et en fait, je ne suis pas médecin, je suis docteur en liturgie, mais pas docteur en médecine. Mais je dis, comme on appelle, et le plus souvent, donc je parle sous le contrat des médecins, il y a des maladies qui ne sont pas des maladies, moi je le dis souvent, il y a l'ulcère et puis, et, comme on appelle, la tension. Hein? Nous les Africains, on le sait ça souvent, hein? Le fait de dire, les soupirs là, c'est ça qui envoie l'ulcère, c'est ça qui creuse les arrêtés, ça nous ramasse. Les soupirs là, c'est ça qui envoie les tensions inutiles. Mais en fait, on a la possibilité d'être heureux. Michel m'a fait quelque chose, Michel écoute là. Tu... Ah bon? Mais Pascal ne savait pas. Mais écoute, laisse tomber, mais. Et puis c'est fini. On a pris le médicament, même qu'à plus de piment qu'avant. Il faut lui dire. On garde ça. Et puis le lendemain, c'est le café qui était trop sucré. Et puis maintenant, on commence. Oui, toi-même, tu veux me tuer. Non seulement hier, le piment était plus. Aujourd'hui, le sucre encore, alors c'est pour métier. Alors qu'on pouvait dialoguer pour éviter tout ça. Et comme on garde ces petites choses, après c'est le vent qui tape la fenêtre, dit oui, tu vas casser la porte. Non, ce n'est même pas moi, c'est le vent. Alors, tu veux monter dans la voiture, voilà, il démarre, il n'a même pas vu, il pensait que tu t'es déjà monté, non, tu veux me tuer. Je n'ai même pas encore fermé la portière. Et ce sont des petites choses. Qui nous rend plus heureux, qui nous rend aussi, qui nous donne l'attention. Et qu'on soit, ça ne fait pas finir. Parce que ça est encore là. Parce que chaque fois qu'on nous donne le médicament pour nous soigner, on revit la même chose. Donc ça ne fait pas. Donc je vais vous donner voilà, cette chronologie là. Si on arrive à amener tout ça, vous allez voir qu'on sera gay. Et on sera heureux. Et on va être avec les autres heureux. Parce que le plus souvent, quelqu'un vous piétine sans le savoir. Et vous en faites une montagne. Et la personne ne sait même pas. Vous dites, voilà, tu m'as fait ça et puis voilà, il est en train de rire là-bas. Mais il ne sait même pas. Et c'est vous qui êtes en train de mourir gratuitement. Gratuitement. Alors, Moïse nous a demandé d'être là aujourd'hui. Vous le connaissez, je ne le connais pas bien, mais en regardant sa photo, je sais que c'est un homme qui doit aimer la vie et il doit être le parapluie où il est, il doit faire bouger le monde. Donc, il nous a appelé aujourd'hui pour que nous puissions vraiment nous réconcilier. Ça doit être écrit, peut-être que ça ne va pas être automatique, mais souvenez-vous qu'en la souvenir de Moïse, voilà ce que le Père Pascal nous a dit. Et si ce n'est pas possible, demandez à celui qui peut rendre cela possible, c'est Dieu. Seigneur, aide-moi à vivre cela. Seigneur, aide-moi à vivre cela. Quand je ne peux pas prier, Seigneur, apprends-moi à prier. Voilà, c'est ça. Et quand on fait ça, vous voyez, on est heureux. Alors, frères et sœurs,
dans la charité et dans la vérité, donne-nous la paix. La paix de Christ. Là, j'ai donné la paix du
Nous attendons de ta miséricorde que cette nourriture prise à ton autel nous empêche de céder à nos penchants mauvais et nous prépare aux fêtes qui approchent. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Et maintenant, je vais donner la bénédiction solennelle en ce jour béni de Dieu, en ce jour de retrouvailles, en ce jour de souvenir. Une vie sans Dieu, c'est difficile. Mais il faut aussi savoir que c'est avec la grâce qu'on rencontre Dieu. Mais on ne décide pas de ne plus être avec Dieu. Une vie sans Dieu, c'est difficile. Mais c'est la grâce qui nous rapproche de Dieu. On ne peut pas décider de ne plus être avec Dieu. On a un père, on a une mère, ils seront ce qu'ils seront, mais c'est nos parents. Dieu, il est notre créateur, il restera toujours notre créateur. Que les aléas de la vie nous en éloignent, c'est normal, parce que nous-mêmes qui sommes ici, on a laissé nos parents dans nos pays et puis on est là. Mais si on a encore ce réflexe-là d'être lié à eux, c'est déjà bien et on brise les distances. N'attendons pas que quand ça ne va pas du tout, où nous voyons le brouillard, que nous cherchons où est Dieu, où est mon papa, où est mon frère, où est mon ami. Dans toute vie, il y a des hauts, il y a des bas. Je nous exhorte à nous retourner au Seigneur. C'est la source de tout bien. C'est la source de tout bien, mes frères, mes sœurs. Quand je dis cela souvent, je sais. Quand je sais qu'on veut vivre sans Dieu. Il y a des choses qu'on peut imiter, mais il y a des choses qu'il ne faut pas imiter. Quand quelqu'un dit « je ne crois plus, je m'en fous de Dieu », il ne faut pas l'imiter, il faut prier pour lui. Je peux vous dire que dans ma vie de prêtre, ça fait 25 ans que je suis prêtre. Quand j'ai rencontré des gens qui m'ont dit, je suis athée, mon père. Je dis, d'accord, il n'y a pas de souci. Oui, tu es athée. On a fait un cheminement. Après, ils m'ont dit, mon père, en fait, je ne suis pas athée. Mais ça fait longtemps que je suis allé à l'église, j'ai honte. Donc, je ne sais même plus comment on fait les prières. C'est pour ça que j'ai dit, je suis athée, comme ça, on me laisse tranquille. Mais maintenant que j'ai vu que vous me poursuivez, je suis revenu. Voilà. Nous aussi, s'il nous est arrivé de nous éloigner de notre baptême, revenons au Seigneur. Aujourd'hui, là, ce n'est pas vous qui avez décidé, hein, parce que là, il ne faut pas avoir honte. C'est le Père Pascal qui dit on n'a qu'à revenir au Seigneur. Donc, il ne faut pas avoir honte. Donc, ça que le Père Pascal, sinon moi, j'allais pas revenir. Hein, voilà. Il faut prendre cet argument-là au moins, et puis avançons à Noël. Faisons un déclic. Hein? Revenons, faut pas. Et puis nous qui sommes ici là, nous qui allons habituellement, faut pas le voir dire, hey, maintenant tu viens, non, on ne dit pas ça, on ne pose pas cette question là. Maintenant tu es revenu à l'église, non, on ne dit pas ça. On dit merci Seigneur. Voilà. Donc. Et puis, moi quand j'étais petit, à 5h du matin, ma maman m'attrapait et puis on partait à l'église. Quand j'étais petit, c'est elle qui m'a appris comment on faisait le jeûne. Quand j'étais petit, c'est elle qui m'apprenait comment il fallait prier. Si nous n'apprenons pas cela à nos enfants, ça va compliquer. Ça va être compliqué. Vous voyez comment le monde est devenu? Maintenant, c'est écologie, hein? Et le monde est devenu écologique. C'est compliqué. Bon,
Je vous laisse ce point d'interrogation comme ça. Mais je vous dis cela parce que je vous aime. Je vous dis cela parce que je veux vous dire à partir d'aujourd'hui, vous qui êtes là, je ne connais pas vos noms, mais à chaque fois que je vais prier, je prierai pour vous. Amen. À chaque fois que je célébrerai la messe, je prierai pour vous. Soyez sûr qu'au moins qu'il y a quelqu'un, que le Père Pascal priera pour vous. Ça, soyez rassurés pour ça. Mais je vous appelle que si chacun de nous aussi priait les uns pour les autres, vous voyez, le monde serait meilleur. C'est sûr tout ça. C'est sûr tout ça. Allez, maintenant, je vais demander au Tout-Puissant lui-même de vous bénir. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Veuillez vous incliner pour recevoir la bénédiction solennelle. Vous croyez que le Fils de Dieu est venu dans ce monde et vous attendez le jour où il viendra de nouveau à la clarté de cette lumière qu'il est, que Dieu son Père vous guide dans toutes vos démarches et qu'il multiplie sur vous ses bénédictions. Quand il apparaîtra dans toute sa gloire, qu'il vous ouvre le bonheur sans fin. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Au nom de la famille, nous vous remercions de votre présence. Après la cérémonie, derrière cette porte, une petite collation nous sera offerte. J'aimerais juste attirer votre attention, s'il vous plaît, pour vous rappeler que nous sommes dans un lieu de culte. Pour ce faire, s'il vous plaît, je vous demande à ce que nous nous salissons le moins possible, afin que la famille ait moins à nettoyer tout à l'heure. Merci de votre attention et de votre présence. En mémoire de notre frère défunt Moïse. Merci. Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh. Il m'a je suis grand.
Cérémonie qui a été bien préparée par le docteur Michel Pondy. Et à notre grande surprise, il y a eu beaucoup de monde parce qu'en ce net moment, comme vous le savez, il y a plein de grèves. Et avoir notre église remplie autant de monde, c'est une grâce pour le défunt, pour la famille, pour tous ceux qui nous assistent. Et vraiment, là où il est, notre frère défunt Moïse, il doit se réjouir de voir autant de monde qui soit venu pour sa mémoire en ce 15 décembre. Merci, Père son âme. Amen. Merci bien. Merci. Oh non, si. Vous n'aurez rien à dire? Non. Comment ça, rien à dire? Tu sors d'une joie pareille et tu n'as rien à dire. Vous direz quelque chose, ma soeur? Bah, écoute. C'était à l'occasion de quoi? Bah, c'est une messe d'Eucharistie, je crois. Donc, c'était en fait pour. C'est une messe demandée à l'honneur de Moïse Ferrat pour sa 15e année de. 15e année. Donc là, on est venu pour célébrer cette messe, se recueillir un tout petit peu, se remémorer hein, de sa mémoire, de tout ce qu'on a pu vivre avec ce père. Et que le ciel nous soit ouvert et que notre porte aussi plus tard soit ouverte. Et on s'est souvenir, on essaie de se partager cette joie encore. Sans pourtant l'oublier. Voilà. Merci, merci. En tout cas, on est de tout cœur avec la famille, hein, surtout pour le grand frère Michel qui a demandé cette messe. Et on est de tout cœur avec l'épouse, avec les enfants, vraiment que Dieu leur donne la force. On sait que ce n'est pas évident, ce n'est pas facile, mais du courage, c'est dans la prière que nous pourrons nous soutenir les uns les autres. En tout cas, merci encore pour cette messe. Merci bien, merci. My Lord. J'ai envie de pousser de cris de joie, my God. Chante ces cantiques. Si tu as des questions qui n'ont pas de réponse, chante ces cantiques. L'Éternel descend aujourd'hui. Il est Dieu. Nalingi Yesu, paye bakumbo ya nzambe na ngai. Nzambe oyo abenga ngai, alaba ngai akotika ngai te. Nalingi Yesu, paye bakumbo ya shilo na ngai. Nzambe oyo aponda ngai. La salle est là où t'as mon mandat. My God.
mélanger l'ouba de tangonga. Rachel, quelques secondes d'attaquer. Après, qui me reçoit, je peux parler, mais juste parce que juste dans l'occasion, hein, Ferrand, quand je suis arrivé, quand j'ai connu son oncle, donc Ferrand m'a bien accueilli dans la famille. Ferrand était devenu vraiment un frère. On avait le même âge, sauf que bon, voilà, moi j'étais de moi, j'ai envie, il était en avril. Donc on s'entendait bien, je suis arrivé. À l'époque, on habitait en Suisse quand je venais. Et je me souviens toujours, quand j'arrivais en Suisse, avant de rentrer, je venais faire les courses à l'État Rouge. Et quand j'arrivais à l'État Rouge, je savais que j'allais croiser Ferrand Massea. J'ai dit, ah, Ferrand, c'est sûr qu'il est là, il est en train de vendre. Et dès que je le croisais dans l'État Rouge, Ferrand a arrêté ce qu'il est en train de faire. Il me prenait par la main. Il me montrait à tous les jeunes sapologues de l'État Rouge, là, à l'époque, c'était pas de voir les jeunes qui aimaient bien s'habiller dans le monde, de là, là. Il me prenait pour tous ma tante. Ah ok, comment tu veux pile mère, veux pile mère. Il m'a trimballé partout et à l'époque je me souviens que je prenais la belle femme. Et il m'offre la belle femme. Il dit, jolie, je sais pas, ça se dit, non, mère ou moi, belle femme la Suisse qu'elle veut, mère. Et même quand j'arrivais chez lui à Argenteuil, Ferrand, Irène ne cuisinait vraiment pas souvent. Papa, il voulait que sa femme Irène puisse cuisiner. Ferrand, il disait, non, tu voudrais l'amener, mais moi, tu avais de Moudena. Là, maman Rachel, et Ferrand rentre à la cuisine. Mettez la moisson salée dans l'eau, désalé sur le champ et cuisiner. Et moi, qui suis amoureux de lui, qui disais, Ferrand, ok, mais il va le mou, moi. Ah, Ferrand, ok, mais vous soumettez. Et on mangeait comme ça, on rigolait. Et quand même, je commençais à sortir. Très souvent, il fouillait dans ses affaires, qu'il vendait dans des aventures, dans ce qu'il vendait. Mais il y a un gars dans la Suisse, on ne voit pas là. Donc, j'ai vraiment des bons souvenirs avec Ferrand. Et quand j'arrive en France aussi, avant d'aller en Suisse, dans les années 94, le premier concert que j'ai été, le premier concert de Wemba, et les dits à Miss, c'est Ferrand qui nous avait payé les concerts. Ferrand a appelé son nom. Non, concert qu'il a, il y a Wemba, dit que c'est là Wemba. Moi j'aimais bien le dire, donc ça fait. Donc le premier concert que j'ai, je suis parti au Zénith, c'était Ferrand qui m'a invité pour aller voir Lady Amici et Wemba. Et j'étais content, c'était mon premier concert en France. Donc j'ai de bons souvenirs avec Ferrand. Merci. Voilà pourquoi on a toujours pris. Là ils ont grandi les enfants. Mon mari et moi, on a toujours pris soin des enfants. Et là ils ont grandi, c'est depuis le bâtiment. Aujourd'hui ils sont grands. C'est des bons souvenirs. Donc on avait tenu mon mari et moi à faire cette messe pour se souvenir de lui en fait. En souvenir de lui. Non, c'était une messe d'action. D'action de grâce. Pour Ferrand Massea. Merci bien. Bon, Rachel. Bah, tout simplement, on remercie tout le monde parce que ça s'est bien passé dans la tranquillité, dans l'amour. Mais voilà, voilà de tout ce que je peux dire. On peut partager cet amour, car seul amour vaincra le mal, selon Dieu. Donc voilà, donc c'est tout ce que je peux dire. Merci. Merci. Bien aimé, voilà, merci, monsieur Pondy, voilà, monsieur Pondy, j'ai récusé notre président, monsieur Pondy, voilà, bien aimé, voilà, ah, j'ai tout ça Pondy, Michel, merci, Michel Pondy, c'est très bien. Merci beaucoup. Merci à tout le monde d'avoir permis cette réussite. Merci Monsieur le Président. Soy con
kolela bando ki bazonda ko sima ya mwango ngantongo ekotana tongo ekotana onde ko ya makambo basusu na bisengo basusu na mawa wapi ongole oho mabele moto na bolenge alingi asala ekonomi azali ndeko banza mokolo akokoma mobange akoma mobange achange nde makanisi alobi alia falanga na ye nyonso abomba noki etikala o na baoyo bamonaki mpasi te basakana na falanga mabele o ngai nalela ye mabele mokolo nakokufa nkake ekobeta kitatima yo lobelaka bato maloba na ngai ya nsuka moto na ngai bakamata basala monima sorti mopaya aye balobela ye nsango bambanda bakosepela basinga na tiki bafamiye bakosepela biloko nga na tiki binemi bakoloba apusaka lofundu ebembe ya nsoso matanga te nalanga nzembo nalanga makambo mabele falanga nasalaka ya mbenda na likaya mwasi ya boya ngai kasi kopo ya masanga ve etoko na ngai nasomba mpona kilibai tokoluka tozipa miso ntongo etanela na mesa nakolata kaki na lipapa o mpona yebi ye mokolo tokokufaka tokendeke na dra ya pembe ata ozali riche joe mabele o ngai nalela butu ekoinda mokolo bwa mbandoki banganga